Avant de poster quelque chose sur le net, rassure-toi que dans 20 ans, tu n'auras pas honte de ça. Ou bien quand tes enfants auront rien, tu n'auras pas honte de ça. Et que ça va pas te porter préjudice quelque part. Mais au bout d'un moment, ne me dis pas que tu te respectes quand tu te contentes simplement de te tourner comme cela et de montrer tes fesses gigotées. Au bout d'un moment, je sais pas, vous avez une définition. Non, 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 écoute-moi bien. Je sais qu'on est en 2023. Non, je sais qu'on est en 2023, mais vous avez quand même une vision d'une femme qui se respecte assez spéciale. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? De quoi? De l'exhibition des parties intimes sur les réseaux sociaux. Bon, je pense que... En fait, plusieurs font les choses par ignorance. Ignorance, ignorance, ignorance. Si le moment, ça allait fun... Ça a les tendances, ça a les déjà, ok, en tout moment, on va voir que j'ai un beau corps. Mais est-ce que tu connais les retombées de ça? Je me souviens avec l'histoire de Diana, là, c'est une jeune consoeur. Le général Marcos avait pris la parole justement pour expliquer en fait comment ces choses-là, tu ne sais pas à quel point ça peut te détruire en fait, comment tu deviens cible pour des gens bizarres. J'espère vraiment que... Si elle n'a pas compris, les autres jeunes qui l'entourent l'ont compris. Même avec l'histoire de Cynthia Fianga et tout ça. Tu vois, les personnes vraiment sont vraiment levées pour pouvoir en parler. Et moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Souvent, on disait que il faut, avant de poster quelque chose sur le net, rassure-toi que dans 20 ans, tu n'auras pas honte de ça. Ou bien quand tes enfants auront rien, tu n'auras pas honte de ça. Et que ça ne va pas te porter préjudice quelque part. Ben, si tu es promu à une brillante carrière, c'est pas le président de la République et tout ça, imagine-toi, après on sort maintenant tes machins ou tes cinq pas, tout ça comme ça, ça salit, ça souille l'homme, ça souille l'image de l'homme, tout ça. Et là, ils ne le savent pas, ils sont dans l'euphorie des TikTok, des machins, pourtant, nous attendons les conséquences, mes chers amis. Il y a un frère là qu'on appelle Alex Hitchens. Je ne sais pas si tu as déjà vu sur TikTok. Souvent, il dit des trucs. Mais bon, je ne suis pas forcément d'accord, mais quand agree to disagree, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais une fois, il a parlé justement des challenges là et tout. Et il faisait comprendre aux filles là que tu ne peux pas vouloir qu'on te respecte et tu fais ce genre de challenge là. Les challenges de nudité, machin là. Tu ne peux pas. En fait, ce n'est pas cohérent. Un gars dit ça, un gars qu'on peut catégoriser de BCBG, tu vois. Il dit que par exemple, lui, il n'est pas justement ce mec que toi, c'est nul, en train de faire des machins. Il dit que ce qu'il dit pour elle, ça applique aussi pour lui. Quand tu fais des vidéos comme ça sur TikTok. Oui. Non. Quand tu vois, t'es à moitié habillé sur TikTok et tu montres apparemment une partie que tu aimes bien. J'ai vu et il y a écrit mes reins, donc tu parles de tes reins apparemment qui bougent très bien, avec un smiley qui sourit. Est-ce que tu as vu le challenge là? Est-ce que tu as au moins vu le challenge? Ah d'accord, ok. Tu sais, il y a un nouveau challenge qui est pas mal. Tu postes une de tes sexes. Tu comptes le faire? C'est pas mal ça, non? C'est sur Twitter, t'as pas vu? On va pas dire. Ah tu vois, on peut pas faire tous les challenges. Donc encore une fois, donner l'excuse du challenge, c'est compliqué. Il y a un challenge sur TikTok. Tu dois poster ta. On t'attend, t'es où? Tu postes quand? Donne-moi ton Twitter, on va le regarder. Tu postes quand? Non, tu n'as pas posté. Donc encore une fois, je vais répéter encore une fois une chose. Simplement une chose. Tu ne te respectes pas tant que ça. Oui. Tu fais partie de quel type de femme? Peut-être que tu t'es trompé de type depuis le début. Peut-être que tu pensais appartenir au type de femme qui se respecte énormément. Mais peut-être qu'au final, tu fais partie de la masse des femmes. J'ai une petite question pour toi. Dis-moi. J'ai une petite question pour toi. Dis-moi. Alors, si une femme, elle s'habille sexy. Je suis pas en train de dire ça, mais au bout d'un moment, ne me dis pas que tu te respectes quand tu te contentes simplement de te tourner comme cela et de montrer tes fesses gigotées. Au bout d'un moment, je sais pas, vous avez une définition. Non, 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 écoute-moi bien. Je sais qu'on est en 2023. Non, je sais qu'on est en 2023, mais vous avez quand même une vision d'une femme qui se respecte assez spéciale. J'aimerais quand même appuyer sur ce point. Je vais dire une chose, de mon côté, je me verrai jamais enlever mon t-shirt et me mettre torse nu à essayer de montrer mes abdos comme ça sur internet. Donc tu vois, ce que je dis, je l'applique aussi à moi. Ouais, je suis pas le genre de gars... Non, laisse-moi finir. Je suis pas le genre de gars qui vient et qui dit pourquoi les femmes font ça alors que de son côté... Non, ce que je reproche aux femmes,
J'ai la même exigence à mon niveau. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu penses faire partie des femmes qui se respectent, mais de ton côté, excuse-moi, il m'a suffi simplement d'aller sur ton TikTok, de faire... Oui. De regarder la première... Et puis, il a dit ça, j'ai trouvé ça vraiment assez... Oui, très très pertinent. Très pertinent, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes ne comprennent pas en fait. Tout le monde a tendance à TikTok et tout. On veut faire les challenges, on va avoir les vues, on va avoir les millions d'abonnés et tout ça. Mais en réalité, est-ce que tu seras fier de toi encore 10 ans, 5 ans? C'est la question. Je crois que le jeune mec, c'est une de sa vidéo là. Il a vraiment parlé et il a une manière très crue en fait d'aborder des choses et tout. Et ça énerve sur les gens, on le prend comme un hôtel, un gars comme ça là qui derrière, il énerve, c'est une fille jusqu'à. Mais bon, il a une manière très directe et tranchée. Il parle un peu comme le docteur Claudel. Tu vois un peu déjà vrac comme ça là mon frère. Il fait vroup, ça te fait mal, tu réfléchis après. Mais tout ce qu'il dit là, bon. Mais en fait, il a justement cette même approche que le docteur Claudel, parce que le choc, tu vois, il peut te choquer, mais bon, ça sonne. Oui, un genre. Mais j'ai remarqué que sur Alex Hitchell, là, en fait, quel est ton point de vue sur la question même? Il ne faut pas que je monopolise la parole. Sur les challenges, là, les challenges, les machines que, oh, si tu n'as pas... D'ailleurs, en bikini, par-ci, par-là, là-haut, les seins, par-ci, même dernièrement, l'autre qui a flanqué ses seins sur les nets et tout ça. Quelle est ta portée, ton regard par rapport à ça? Tu fais souvent un challenge? Non. Rarement. Parce pourquoi? Parce que les challenges... Est-ce que... Pas de challenge du tout. Mais mon regard sur cela, franchement, j'ai toujours regardé, ça venait de dégoût, je vais être honnête. Donc... Ça m'a jamais blasé, j'ai jamais compris le but. Plutôt peut-être pour les vues, les likes, mais à part ça, j'ai jamais vraiment compris le but. Toi, tu peux m'en fier à part. On me l'a souvent dit. Hein? On me l'a souvent dit. Ah bon? Ouais. Ok, oh. En tout cas, quel est le message que je peux lancer alors? À tes frères et sœurs. Ou tes compatriotes. Ou tes fellow Africans. Mes chers compatriotes. Couvrez vos seins. Habillez-vous bien, comme moi. Même s'il fait chaud, j'ai le col anglais. Aïe, pardon. Non, mais en fait, c'est juste pourri. Mais honnêtement, utilisons les réseaux sociaux de façon responsable. Et surtout, canalisons nos hormones. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.